Et on est de retour survie du week-end. J'allais dire survie du passé, mais sinon ce serait deux séries en une. Donc on est de retour. Alors on va résumer en fait les épisodes précédents, parce qu'honnêtement c'est un peu la pagaille, c'est un peu... On n'avance pas en fait, on n'avance pas vraiment. Donc à la base on était là, dernier épisode, on était là. Ici, et on voulait continuer ce chemin parce qu'apparemment il y aurait une mine. Honnêtement, j'espère, parce que pour l'instant on n'avait vu que des panneaux. Bon, déjà on sait qu'il y a des panneaux mines, mais après s'il y a une mine, j'en sais rien du tout. On en prend, on a dit. Je me suis un peu baladé, j'ai voulu aller plutôt vers la gauche que longer la droite, et du coup on s'est retrouvé en fait, on est retombé ici, sur le mobilhome. On s'est dit, ouais, c'est cool, donc il y a un chemin quoi. Et je suis reparti. Et en fait, au lieu de continuer vers la droite ou comme ça, dans cet axe, on est tombé directement sur la gauche. Et on est retombé en fait sur le pénitencier. On a trouvé une grotte et tout ça. Et par contre, on peut pas revenir en fait directement. Donc du coup, on est retombé sur le pénitencier, on a changé l'arc et tout ça. On a fait une petite pause quoi. Et après, il y a eu un blizzard, donc on n'a pas pu vraiment genre sortir et passer par là. Ou je sais même pas si on peut vraiment passer par là. Mais du coup, on a fait tout le tour en passant par le tunnel à vapeur. Et on a longé là, on est retombé sur le mobilhome, on a repris le pont et tout ça, et maintenant on est de retour au vieux poste de contrôle, et on a combattu des loups gris. Donc on en a récupéré une de flèche sur un loup qui était loin la dernière fois. Il nous en faut encore au moins une, voire deux, je crois que c'est une. Donc on va voir un peu. Mais du coup, ouais, on va essayer de revenir... Ah oui, c'est vrai que là, on peut faire une pause aussi, là, on verra. Mais on va essayer de revenir, donc, où on était. Et je crois que là, il y avait un pont, là, non? Quelque part par là. C'est quoi? C'est con que les ponts soient pas, en fait, sur la map. Enfin, bref. Donc, voilà. Après, pour ce qui est de l'inventaire... Ah oui, on a pu aussi, vu qu'on a vadrouillé, du coup, on a pu réparer donc nos moufles et notre chapka. Donc, bon, ça, c'est pas perdu, ça, c'est bien. Donc c'est sympathique. Par contre, on est tombé à un moment, donc on a abîmé les bottes et tout ça. Donc il nous faudrait vraiment des pots de serre. C'est le plus important. Et on a un peu de viande de côté maintenant, vu qu'on a tué le loup. Enfin, des loups. Donc voilà, ça c'est cool. On va prendre ça. On va prendre les... Boyau frais, ça c'est bouche fraîche. Ok, on va sortir. On va prendre les boyaux secs. Pourquoi? Parce que je sais pas exactement. Je sais qu'on a laissé des pots de serre et de machin et tout partout. J'entends les corbeaux. Ah, des corbeaux qui passent. C'était à droite puis à gauche. J'aurais peut-être dû attendre un peu que le brouillard se dissipe, non? Ok, ça c'est un loup qui a peur. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre le brouillard. Enfin, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on avance. J'ai envie d'avancer, en fait. Bon, on a un peu perdu des flèches, mais bon, ça aurait pu être pire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que... Oui, on a laissé des pots quand même, un peu à droite, à gauche. Oh, il y a un cerf. Et du coup, je voudrais les boyaux séchés, en fait, pour pouvoir recoudre. Eh, le loup, tu veux pas te rendre utile? Attaquer le cerf, comme ça, on te met une flèche. Il fait froid. Là-bas, il y avait le chemin. Ah, j'entends les corbeaux. Bois. Ah même ça c'est le loup qu'on avait déjà croisé. On a récupéré la flèche déjà. On a de la viande hein, qu'on peut prendre. Mais je voudrais bien avancer en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des corbeaux? Ah, corbeaux. Je me disais aussi, j'entends plusieurs... Oh yes, c'est un vieux loup, c'est un vieux cadavre ou c'est un loup qu'on vient de tuer? Ouais.
S'il faut, c'est notre flèche. Là-bas, il y a des champignons à prendre. Yes, flèche. Prendre ça. On va prendre les champignons. Alors, ce qu'on peut faire maintenant... je sais pas trop. On fait quoi? Une pause ici? Pour prendre de la viande? On a quoi? 2 kilos de viande? 2 kilos de viande et on est au max. Faudrait qu'on se réchauffe quand même. Après, on va passer par là. Moins 11. On n'a pas vraiment besoin de s'arrêter en fait. On n'a pas vraiment besoin de s'arrêter. Je voudrais bien me réchauffer, mais j'ai pas envie de craquer une allumette pour me réchauffer. Donc on va prendre... on va serrer les dents. On va serrer les dents. Et on va avancer. Parce qu'il y a des bâtiments pas très loin en fait. Donc faire une pause. Si jamais on... Genre si jamais le brouillard se... s'arrête et qu'il fait beau, d'accord. Mais si jamais on veut faire un feu, c'est pour vraiment faire de la viande et tout. Et puis bon là on peut parce qu'il y a de... le loup, mais on n'a pas vraiment besoin, vous voyez ce que je veux dire? Donc autant ne pas le faire, on avance. Ok, on est de retour sur, sur la route. Donc la croque ferrée pénitencier, donc c'est à gauche, pénitencier c'est là-bas, et nous c'est les mines, c'est là-bas. Oh là 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 là. Après il y avait un cerf, c'est bien de savoir qu'il y a un cerf encore. Mais on en a déjà eu pas mal. Je coupe à gauche ou pas? Ah, il y a le pont là. Ah merde. Ah, c'est pas grave, on fait le tour. Oui, il y a le pont à gauche. On aurait pu passer par là, je crois. Là, là, on prend un petit long coursi en fait. Ouais, là c'est où c'est qu'on s'était amusé avec les lapins et les cerfs. Ça c'est la ferme. Ouais, on aurait pu faire ligne droite en fait avec le petit pont. C'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Donc nous si le pont il est là, après t'as la ferme, donc là-bas... Ça devrait être la le mobilhome ou la maison? Le mobilhome d'abord. Je commence un peu à connaître la zone quand même. Enfin, je crois. Je crois que c'est en haut de ça. On prend cher là niveau froid, mais bon. Je crois que c'est là-haut. De toute façon, dans cette zone, honnêtement, on est cool. Elle est pas très compliquée. Elle est assez plate. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Elle est assez plate et... Ouais, ça va, quoi. Oh, on a encore des champignons à gauche. Près du contre-maître. La près est pas mal. Le près, pardon. Allez, on rentre parce que là, on est en train de geler sur place, non ? Ok, on est bon.
Alors, ouh! Alors, attends. Ça. 96. 96 aussi. Ça, on prend. Et on a du lapin. On va prendre ça. Oh, on a bien fait de prendre les boyaux. C'est pour ça, hein, je savais bien qu'on avait des pots pas loin. Parce qu'on en a laissé pas mal, en fait. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir faire des flèches. Ça, par contre, j'avais pas... Je m'en rappelle plus du tout. Attends, flèche, fût. Donc ça nous ferait 10 avec l'autre. On peut détruire ça. Donc on a une peau qui est prête. Et on a deux boyaux. Donc on peut déjà réparer un truc. Voilà, on va prendre ça. On va utiliser les kits de couture pour ça. Ok, très bien. 97. Je me demande si on peut... J'ai envie de dire, à la limite, attendre, peut-être? Attendre jusqu'à ce que ça se... Ça sèche? Pourquoi on a 47 kilos? Pourquoi on a 47 kilos? Ah, et j'ai beaucoup de charbon. Beaucoup de charbon. On peut peut-être en déposer un peu. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Pas vraiment. Très bien, 97. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps encore? Est-ce qu'on a besoin de déguiser les choses? Non. 21. On va faire ça. Ouais, on va attendre un peu, honnêtement, parce que... Enfin, 3%, c'est combien de jours? C'est 5 jours? 3%, ça fait combien d'heures? Genre 3 heures? J'en sais rien du tout. Hein. On va voir. C'était à 96, non, c'est à 97. On va voir si ça passe à 98 après qu'on ait fait ça, par exemple. Si ça passe à 90, ça veut dire que ça va très vite, donc on va pouvoir attendre quelques heures et... On va pouvoir... 98. Ah! Ok. Donc, Mère Nature nous a dit qu'on devait attendre. Maintenant, je suis en train de me dire, on aurait dû peut-être couper le... Couper le loup. Récupérer de la viande si on n'a plus grand-chose. Un peu embêtant. ...27 minutes à la main, quoi, c'est débile. Non, ça sert à rien de les faire. Il devrait faire un truc comme quoi, genre, si on touche la boîte en carton, genre, on peut la bouger. Et notre personnage, genre, il nous dirait... j'entends quelque chose dedans, par exemple. Ça serait cool. Ça, je pense que ça serait cool. Et du coup, on se dit, bah tiens, il y a quelque chose dedans, donc on devrait l'ouvrir pour récupérer le contenu. Ça pourrait être vraiment être pas mal, comme mécanique. Ça pourrait être sympathique, je pense. Est-ce qu'on peut réparer encore des choses? Je peux faire ça. D'ici qu'on finisse, là, la peau, elle doit être sèche. 99. Alors, on a cassé notre kit de couture. On va faire ça. Voilà. On en a un d'avance, normalement. Hein. Non. J'ai cru qu'on en avait fait. Ok, très bon. 99 encore. Ouais, ce qui m'inquiète un peu, c'est les calories, là. 99, c'est juste les calories.
Un truc qu'il faudra faire aussi, si jamais on trouve des chaises genre en métal ou des conneries comme ça, mais qu'il y a au moins du tissu dessus... Oh, parfait. Qu'il y a au moins du tissu dessus, il va falloir qu'on les casse. Il va falloir absolument qu'on les casse, que le tissu, en fait, ça commence à baisser. Et c'est vrai que de temps en temps, on se fait toucher par les loups. Ouais, du coup, on va prendre ça avec nous, mais on n'a pas le... On n'a pas le boyau séché. Parce qu'en fait, on prend des saignements ultra facilement dans le jeu. C'est un peu embêtant. Enfin, surtout en intrus, je dirais. Donc à chaque fois qu'il nous touche, c'est saignement, donc il faut directement un truc. Par contre, j'ai envie de prendre des peaux de lapin aussi. Il y en a combien, là? On va en garder deux sur nous. On va en garder ça. Il nous faudra un boyau pour réparer le reste. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut partir la nuit? On est fatigué. On est très fatigué. Est-ce qu'on part la nuit? Attendez, nous on est là. Nous, il faut aller là. Parce qu'à la limite, je voudrais bien aller dormir dans la maison. Comme ça, on est directement sur place. Vous voyez ce que je veux dire? S'il fait beau, dis-moi qu'il fait beau. Ça serait par où? Par là-bas? On aurait dû peut-être prendre plus de peau de lapin, non? Je sais pas. Ah, parce que je voudrais vraiment qu'on retourne en fait sur le terrain de chasse. Et pour aller après la mine et tout ça. Comme ça on est prêt. Elle était où la maison à côté du lac? Derrière ou devant? Merde. Je sais plus. Merde, je sais plus. On va monter. Ah ouais, non là par contre je sais plus, parce qu'en fait on s'est tellement gouré la dernière fois, c'est que maintenant je sais plus trop en fait, à chaque fois. J'hésite. Je dirais que c'est derrière perso. Laisse-moi monter, je sais que tu peux. Quoique. Ouais, quoique, non peut-être pas en fait. Merde, c'était quoi ça? Non c'est rien. Je crois que c'est derrière. Je crois que c'est là. Il y a quoi là-haut? Il y a quelque chose. On peut aller là-haut ou pas? Ça avait l'air qu'on... J'avais l'impression qu'on pouvait, mais... C'est là, non? Yeah, c'est là. Genre, y'a quoi là? Maintenant, je suis curieux, ça y est. Putain, on a froid, quoi, c'est con. C'est un chemin ultra haut, donc. Ouais, non, y a rien du tout, en fait. Y'a strictement rien. Ok, cool. On va descendre en biais. Il est là! Putain, il m'a fait peur ce con!
Bah voilà. Il nous manquait de la nourriture. Il m'a fait peur, ce con. J'avais dit qu'il y avait un élan qui se baladait. Hein. Allez, avance, putain. En plus, honnêtement... Honnêtement, je crois qu'il peut pas venir dans la maison. Je vais être ouais, quasiment sûr qu'il peut pas venir. Et je pense que peut-être sur le ponton, il peut peut-être même pas monter. Donc honnêtement, on a un bon endroit, en fait, pour le combattre. Je vais être honnête. Bon, bah du coup, c'est cool. Du coup, c'est cool. On va dormir le plus possible. Et on va se préparer pour le combattre. Bon, bah du coup, la mine, elle va attendre. Mais là, il faut qu'on combatte, lui. Ça nous fait beaucoup de viande. Et surtout, ça nous fait... La peau qui est pas utile, en fait. On a des boyaux ici. Frais, ah merde. Attends, séché. Attends, je... Ah non, c'est les... La... Ah, il y a des peaux de lapin, en fait. Ok. Ah! Voilà. Tout posé, très bien. On va dormir le plus possible. Parfait. On commence à peine à faire le jour. On va voir s'il est toujours là. S'il est toujours là, on commence le combat maintenant. Yeah, s'il est toujours là. Ok. Alors, il faudrait d'abord le faire venir vite fait. Ok, on est à combien de kilos? 39, c'est très bien. Il est devant ou il est derrière là? Il est derrière, ok. Ouais, il s'énerve un peu en fait. Pas trop peut-être. Ah, il est loin ce con quand même. Est-ce qu'on pourrait lui tirer une flèche d'ici? Putain, si j'arrive à lui mettre des flèches d'ici, c'est chaud quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Alors attends, peut-être... Ah, il revient là, il revient. Je peux regarder en ayant chaud? Ouais. Ok, là il revient. Alors, on a une montagne à droite. Non, là, il part, là. On a une montagne à droite. On peut peut-être l'utiliser. Ça va être embêtant, quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Il est de face, là. Hein. Il est de face, là. Quand il s'arrête, je vais... Ok, attends. Une par terre, c'était trop bas. Il s'est arrêté, on lui a fait peur. Une, deux. On va pas
arriver dans son dos, parce que ça c'est la pire des choses. J'aime pas chasser la nuit comme ça. Je vois rien du tout. Il est là. Ouais, mais là, on a froid, on voit rien, ça commence à me faire chier. On va rentrer. Ah, ça m'embête, là, on a abîmé les flèches pour rien, là. Je sais pas combien elles perdent quand elles tapent dans le sol. Faudrait faire un test. Faudrait faire un test. On voit, même à l'intérieur, on voit strictement rien. Non, t'es sans déconner. Oh putain. Bon, ça aurait pu mieux se passer quand même. On est un peu bloqué là. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, déchaîne-toi, vas-y. Moins 34. 2 heures. Commence à taper dans les... Là, il faut vraiment qu'on le combatte, le truc. Parce que là, on tape dans les massets, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Faut qu'on le... qu'on lui mette des flèches, l'autre. Hein. Faut qu'on le transforme en hérisson et puis après, on le fait cuire. Hein. Ou alors, on cherche une meute de loup, encore. Mais va falloir qu'on fasse quelque chose. Avec cette tempête là qui a... Ça ne jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le truc qui est bête, c'est que les boyaux sont pas sèches, secs. Donc... Aïe aïe aïe. Ah, c'est pourri ce temps, c'est pourri. Ça rend tout long en fait, ça rallonge tout. Très très emmerdant. Ok, c'est parti. Alors... J'espère qu'il est toujours là.
silence radio. Ah, la musique, tu veux pas t'arrêter? Je crois qu'il est plus là. Merde. Je crois que c'est mort. Oh, regardez! Cabane là-haut. Je crois que c'est mort pour l'élan. Non, attends, par où on passe? J'avais peur de ça. Attends, par où on passe? Parce que là, c'est méga... Peut-être là? Non, on m'étonnerait. Ah! C'est quoi ça en face? Non, ça c'est un cerf, ça. C'est un cerf? Ah, si c'est un cerf... pourquoi pas? D'abord, je vais aller à la... Ouais, non, ouais, c'est trop, là. On va voir si c'est un cerf. Ça, c'est un ours. Ah, putain, connasse. Ça m'a fait peur. Oh là là. Ah, là, peut-être. Oh mon dieu, monte. Fais monte les genoux quoi. Je sais pas. Si elle se pète encore un truc, ça va m'énerver. My fingers feel numb. Oui. Tu m'as fait un jump scare, donc hein, c'est ça, chacun son problème, chacun sa merde. Ouh, il y a un chemin là. Bon, il nous faut de la nourriture. Ça a l'air pas mal cet endroit. Oh mon dieu, ça tue. I'm not sure I can carry much more. Ah mais c'est pour faire des flèches en... Oh ça tue, ça tue. Oh là c'est cool là par contre. J'ai envie d'aller explorer là-bas moi. Mais faut qu'on mange aussi. Oh là là, faire plein de trucs en même temps, c'est relou. Non non, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Oh, yes, photo! Photo instantanée. On voit la prison. Lire le texte. J'ai trouvé un point plus élevé. D'où prendre la prison en photo pour toi. J'ai essayé de travailler sur la composition. Les lignes électriques, c'est de la composition, non? J'en sais rien. Ouais, ok, ça va. C'est facile à trouver. Par contre, est-ce que je peux faire ça? Pas mal, pas mal. Non, par contre, oui. Faut qu'on mange, faut qu'on se réchauffe, faut qu'on boive. Tu sais, des fois, hein. La vie c'est pas tout rose. Hein. Où est-ce qu'on est là?
Si on peut se réchauffer là, ça serait cool. Comme ça, on ressort et on chasse le cerf. Ou l'ours. Cerf ou l'ours, je sais pas. Le cerf. Ça sera plus intéressant. Non, je pense pas que c'est une grotte. Par contre, je pense que c'est un chemin pour couper. Ok. Ok, je pense que ça, c'est un chemin pour couper, en fait. Couper où? J'en sais rien, vraiment. Mais on va peut-être pouvoir l'utiliser. Bon, faut qu'on aille se réchauffer. Donc, retour à la maison. Et après, chasse au cerf, ours, élan. Les trois en même temps. Je voudrais bien me réchauffer. Elle est où la maison? Il fait beau en plus. Je veux juste aller dans la maison. Après, on peut faire un feu à l'extérieur, mais c'est pas vraiment mon intention là. Faire gaffe parce qu'il y a l'ours. Elle est là, notre maison? Elle est là, ok. Donc ça veut dire qu'on a un ours juste à côté. Faut qu'on mange, faut vraiment pas qu'on passe en dessous des zéros de calories. Hein, parce que sinon c'est là, là on est mort. Là. Enfin on est mort. On va dire que là on va souffrir niveau poids quoi. Getting a bit thirsty. Ok. Il va falloir qu'on récupère des massettes. C'est bien quand même les massettes, hein. Ça sauve, hein. Ça sauve la vie. On perd combien? C'est 15, 5 kilos, 10 kilos? Je crois que c'est 10. Je crois. Par contre, on peut faire... On peut boire ça. Ça nous fait de l'eau et ça nous fait 125 de calories. Ah, ça va nous aider pour les... Ah oui, ça guérit des... Oui, bah oui, c'est de... C'est... Ça relaxe et tout ça. Oui, c'est un analgésique, voilà. C'est ça que je veux dire. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. Mais c'est très bien. C'est très bien, donc du coup, bah attendez, parce que moi j'ai beaucoup de bordel là sur moi. On a ça. Ça, c'est pas... C'est, ça va être prêt. Non. On a du bois, oui. Donc on va faire ça. Très bien. Et on dort une heure. On est en pleine forme, on se réchauffe. Maintenant, on va à la chasse. Parfait. Il fait froid. Il y a du vent. Alors, élan, ours, cerf. On a le choix.
Alors, en théorie, le mieux, ça serait quoi? On va dire que l'élan... non, le cerf, c'est le plus important, puisqu'on a des vêtements qu'on a besoin de réparer maintenant. Mais l'ours, c'est le plus rare. Donc, on va se concentrer sur l'ours. Si je le... Ok, serre là. Si jamais on voit pas le, l'ours, on fait le serre. Après, on peut faire les deux. On va faire le fer. Par contre, on va devoir faire demi-tour pour récupérer de... du bois. À moins qu'on puisse... Ouais, tain, c'est chiant parce que là, il est en plein milieu du vent. C'est un beau kill, ça. Très propre, très très propre. Ouais, on pourrait faire du feu là. En fait, ce que je voudrais faire, c'est faire du feu une heure et on prend tout et on rentre. C'est un peu triste pour l'élan. Si j'avais pas loupé mes flèches. Des fois, j'ai envie de vraiment baisser la musique au maximum. Honnêtement, des fois, j'ai même envie de l'enlever. Parce que les musiques sont très belles hein, dans The Long Dark, mais des fois ça... En fait elles se déclenchent au mauvais moment, ou elles gâchent un peu... genre l'immersion. Genre je pense que The Long Dark c'est pas un jeu qui a besoin de musique si on est en survie par exemple. Ouais, je pense que c'est pas un jeu qui a besoin de musique. Voilà. Très bien. On va prendre du bois sur nous. Alors. Attends, ça. Alors, est-ce qu'on cuit tout là-bas, on découpe tout là-bas? Ou alors on coupe, on fait une heure, on fait des sacs en fait? Je crois qu'on irait quand même plus vite à découper tout sur place. Surtout que c'est un peu loin. Donc on va prendre tout ça de bois pour faire un feu qui va durer. Puis de toute façon, il faut qu'on mange et tout sur place. Donc le mieux, ouais, non. Bon, faut qu'il y ait un bon temps, s'il te plaît. Mais merde ce jeu, merde. Ça
sans déconner. Ah, c'est relou. Hein. Ouais, non, mais là, si je vais prendre deux steaks, je vais geler, quoi. Ah, c'est top, hein. C'est vraiment bien, on s'amuse, là. Bon, déjà il n'y a plus de vent. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Ah, ça m'embête. J'ai envie d'arrêter l'épisode et juste jouer, d'arrêter de jouer là pour l'instant. C'est juste chiant en fait. Là, j'avoue que c'est juste relou. Je vois quasiment rien. Alors, si jamais il y a un truc qui nous fonce dessus, alors là c'est bingo quoi. Mais bon, faut que j'aille bouffer, j'en ai marre de taper dans mes réserves de massettes. Trop de bruit pour au cas où il y a l'ours. En plus le cerf il est tellement mal placé. J'ai hésité à tirer dessus. Hein. Je me suis dit il est super mal placé. Il est en plein... Il est tout exposé. Après il y a une petite montée qui protège un peu du vent. Oh là là, je vois quasiment rien. Ah c'est bon, mieux. Le vent, si le vent se lève, je vais péter un câble. Encore 2 degrés. On est bon. I'm not sure I can carry much more. Okay, 40 minutes, très bien. On est toujours bon. J'ai dû utiliser du bois surtout pour la chaleur en fait. Ok, très bien. J'ai cru entendre quelque chose.
Je vais être honnête, je crois qu'il y a l'ours. Je crois qu'il est juste devant nous. Après, si on a du feu, je sais pas s'il nous fonce dessus, je pense pas. Ouf. Compliqué cet endroit. Encore 2 heures. Très bien. On va pouvoir tout cuire. Si tout se passe bien, on peut tout cuire. Ça a l'air pas mal. Je crois qu'on a une aurore boréale qui vient, qui arrive. Enfin, non, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait tout cuire. Là, il n'y a plus rien. On peut rentrer avec un feu, on peut faire du feu à la maison pour faire de l'eau. Mais on a déjà de l'eau. Je sais pas si vraiment on en a besoin. Au final, on a pris trop de bois sur nous. Ah oui, je voulais faire ça. Faire des champignons et tout ça, et les baies, là. Il nous faut un baie, 2 champignons. Un baie, champignons. Et encore un champignon. Ok, ça c'est bien. I'm not sure I can carry much more. 51 kilos. Bon, voilà. Ah, je crois que c'était l'ours là-bas à droite. Je pense que c'était l'ours. Il était rond, tout ça, enfin, le dos bombé et tout machin de loin. Je pense que c'était l'ours. Donc on pourrait faire l'ours aussi. Bon, c'est bon, on a une belle réserve de viande et tout. On a une peau en plus. On a les boyaux. Là, c'est pas mal.
Non, c'est pas mal. Là, on a bien joué. On a bien joué. Là, les boyaux devraient être secs, je pense, dans la maison. Donc, on va pouvoir réparer ce qui nous reste. Ouais. Et bah, du coup, ça fait bah, 2 épisodes, quoi, en gros. Et bah, la prochaine fois, on retourne. On essaye d'aller à la mine, lol. Hein? On essaye d'aller à la mine. Ça fait juste 3 heures qu'on essaye d'y aller. Après, là, on a une torche. On pourrait refaire du feu, mais je crois pas que ça soit... Ah, merde, j'ai pris les... Oui. Ce sera pas utile. Après, on peut faire du feu pour que l'établi soit chaud. Ouais, on peut faire ça. Je sais pas pourquoi je l'allume là. Ça sert à quoi? Est-ce qu'on va le garder le feu ou pas? Non, c'est de la perte. Come on, little fire. Oui, c'est de la perte. Ah, très bien. Ok, séché, séché, très bien. Ouais, non, mais ça nous servira à rien, on va pas... On va pas faire les trucs maintenant. Non, ça sert à rien. Non, 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 ça sert à rien. Donc ça, on l'a laissé là. on a combien de fûts sur nous? On a 7 fûts. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir 7? Après, c'est très léger, donc bon, c'est pas grave. On va détruire les... Ça. Et je crois que ça va être la fin. Mais ouais, prochain épisode, on essaye d'aller à cette mine maudite, là, cette mine fantôme qui n'existe pas. Ça fait un petit moment, là, qu'on essaye, c'est relou. Est-ce qu'on a besoin... Non, pas besoin de déguiser. Ça, on mange. Très bien. Ah, on aurait pu peut-être à la limite faire de l'eau. Je pensais qu'on en avait plus. Bon, c'est pas grave. Par contre, est-ce qu'on peut... raccommoder? Je crois pas, hein. Il va me dire c'est la nuit machin. Boyau séché. Oh, ça marche. Voilà, très bien. Et on a encore une tempête, c'est magnifique. Magnifique. J'ai l'impression d'avoir entendu du bruit dehors. Bon, bah on est bien. Ça va. On s'est remis d'aplomb. En fait, cette petite vadrouille, bah quoi, qu'est-ce qu'on a fait? On a peut-être perdu... Allez, une flèche. On a gagné plein de fûts de flèches. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. On a pu réparer quasiment tous nos vêtements. Enfin, les plus importants, en tout cas. Ceux qui étaient le plus bas. C'est pas mal. J'ai envie de dire, c'est pas mal. On va donc dormir. Et la prochaine fois, on essaiera donc de trouver cette mine fantôme. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Passez un bon week-end. À la prochaine. Ciao, ciao.